dans les beats. Donc, comme prévu, j'ai fait le geste pour les enfants et j'ai tenu à prendre, à filmer pour que au moins ceux qui ont donné au moins les gestes, ceux qui ont fait des gestes, ceux qui ont donné leur argent, puissent savoir que ce n'est pas allé en l'air. Ça a été vraiment, on a utilisé l'argent à bon escient pour les enfants et puis voilà. Si c'était moi-même qui avais donné, je pense que je ne l'aurais même pas eu à filmer ou j'aurais donné directement à la sœur. Et puis voilà, mais on était obligé de faire quelque chose de carré pour que les gens puissent savoir qu'on n'a pas utilisé l'argent pour faire autre chose. Donc voilà. Et merci beaucoup à la sœur qui nous a accueillis et tout. Et merci aux enfants aussi. Et merci à tous ceux qui ont donné. C'est vraiment gentil. Merci. Voilà. Voilà, donc vraiment infiniment merci. Non, je suis sûr que cet argent servira à sauver des vies humaines. Et tous ces enfants qui sont sur les lits, dont les parents n'ont pas les moyens de payer les médicaments, les bilans, soient rassurés, l'argent sera utilisé pour pouvoir les soulager, pour soulager la peine de cette population qui vit dans une précarité extrême. Merci beaucoup, Arsène. Merci beaucoup, Tata. Seigneur, ta compagne. Tata qui était là. L'année prochaine, tu nous reviens avec. Non, c'est sûr. Autant ou plus. C'est sûr. On est toujours demandeurs. C'est sûr. Merci. C'est ça la question. Merci aussi à ceux qui ont cotisé avec moi. C'est pas moi seul. D'accord, donc on nous remercie infiniment tous ceux qui ont participé à cette cotisation. Et nous espérons et nous leur souhaitons vraiment que toutes leurs activités prospèrent dans le temps pour qu'ils puissent continuer à penser à ces enfants qui vivent dans la précarité, dans les sept pauvres. Infiniment merci. Merci. Merci à Tata. Merci à les deux Tata. Je te souhaite que ça va pas peut-être.